Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je suis désolée pour ce long temps d'absence, mais j'ai déménagé, j'ai donc mon nouveau chez moi, j'aménage très lentement, enfin pas très lentement, mais c'est difficile de tout placer, tout ça, donc je fais cette première vidéo dans ce coin, et j'espère trouver un coin un peu mieux, un peu plus confortable, avec une décoration autre que ma cuisine, n'est-ce pas? Quoique mon bol... Mon bol rose est magnifique tout de même, enfin mon saladier. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, c'est parti, je suis contente, je vais enfin pouvoir vous refaire une nouvelle vidéo. En plus, c'est le début des vacances, donc j'espère pouvoir vraiment en faire plusieurs. Notamment, j'ai un projet qui arrive là, je vais maquiller, comme le projet Poudlard où j'ai maquillé 4 filles sur un thème, là je vais refaire pareil, 4 filles sur un autre thème, et je comptais vous faire les maquillages en principe avant, mais du coup je les ferai après une fois que j'aurai les photos, comme ça vous aurez aussi les photos de rendu en shooting. Donc voilà, et on commence pour reprendre avec la série des déesses, je vais vous faire Artemis version chasseresse. Allez, on est parti. Donc pour faire cette déesse, j'ai donc déjà au préalable fait mon teint. Je vais avoir besoin d'un crayon marron et je vais me tracer une ligne ici. C'est parti. Et je l'estampe vers le bas. D'avoir une première base. Ensuite, je vais venir avec, sur cette palette là, je vais utiliser mes marrons du plus sombre au plus clair. On va venir descendre cette coloration. Encore assombrir en haut. Et utiliser un marron plus clair en bas. Quand je suis là, j'apporte ma petite touche déesse avec un peu d'or sur le bas du masque. Je viens ensuite avec la même couleur pour faire du contouring. Vous voyez, mon pinceau est un peu plat, je viens le placer dans le creux de ma mâchoire avec juste le reste de ce qu'il y a sur le pinceau, pas plus. Avec un autre pinceau, je viens estomper. Donc voilà l'effet recherché sur les yeux. Nous allons maintenant passer aux lèvres, où là, le dégradé va être l'inverse. On va venir poser une couleur sombre en bas et une couleur claire. Et sur une partie du bas pour aider ensuite à estomper. Voici donc mon Artemis version déesse de la chasse. Vous verrez très bientôt la déesse de Artemis, déesse de la nature aussi, vous verrez qu'il est très très différent. Bon ben voilà, c'est mon premier maquillage dans mon nouveau chez moi. Alors oui, je fais simple, rapide, tout ça. En plus c'est un maquillage qui peut être utilisé pour Halloween, pour se déguiser j'ai envie de dire. Ça fait maquillage tribal, ça fait maquillage de tribu, enfin. Bien, donc voilà, moi ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça m'a fait, je suis contente là de pouvoir reprendre. La prochaine fois j'essaierai de la tourner un peu plus tôt parce que là le soir tombe, donc la lumière ne doit pas être super terrible quand même, malgré le
fait que sur le retour, j'ai l'impression que ça va, mais bon. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous. Ciao !